Salut, c'est Warwick de Rectang Gaming. Bienvenue à vous, aventuriers, sur Dungeons of Interberg pour cette nouvelle session. On a terminé la dernière fois le deuxième donjon de niveau 6. Donc là, on va viser un donjon de niveau 7. Et je sais pas où il y en a. On va voir ça. Voilà, donc on va passer la nuit. On va faire toujours pareil le côté divertissement. On va essayer de monter ça parce que là, on monte un peu. Et. Alors c'est comme je me disais, à un moment donné j'arrêterai de faire ça, mais à un sens il y a toujours le fait de monter la relation avec les autres. Ça permet de temporiser. J'ai télévisé sa somme qui fait tourner une roue géante, les joues rouges et l'air surexcité. Si la roue de la fortune sourit à Christine, elle pourra enfin réaliser son rêve de toujours partir en croisière sur les Méditerranées. Public retient son souffle. Si gagné, Christine va vivre la croisière de ses rêves. Youhou! Ah, j'ai un succès, c'est atteigner un divertissement de 200. Ok. Donc je me dis, je dois pouvoir jouer jusqu'à ce que je puisse finir tous les donjons, même donc, même si je prends mon temps. Allez-vous passer une bonne nuit? Oui, Fräulein. Vous avez l'occasion d'aller au ciné? Je suis sûr que vous êtes habitué à des salles bien plus grandes et modernes, mais on y passe vraiment de très bons films. Moi, je teste un peu ça, la partie spa et cinéma. Bah là, on a des sets. Voilà. Là, on en a. Au niveau lieu de détente, va falloir commencer à faire gaffe. Je vais voir ce côté coincé. Je pense qu'on en a encore un là. On va essayer ça. J'en avais pas testé, j'étais à deux endroits. Oh, faut que je me les note, j'oublie. On a fait donc on a fait celui-ci. Je pense qu'on a fait celui-ci. J'ai été là, c'était dans la grotte. Et c'est celui que j'ai pas fait parce qu'il faisait un truc un peu bateau. Alors, attends. J'ai pas vite fait ça. Et... C'est ici. Voilà, donc là par contre c'était un bonus moindre. Voilà, juste de la détente. Je suis contente de passer un autre après-midi dans ce coin. Et dire que ce matin je buvais mon café sur la terrasse estivale de ma maison d'hôte. Le contraste est fou. La neige scintille, de petits nuages naissent entre mes lèvres à chaque respiration. Mon regard se perd parmi l'infinité de sommets qui se découpent à l'horizon. Tout à l'heure, je rentrerai à Interberg pour profiter d'une soirée d'été ensoleillée. Je me demande avec qui je la passerai aujourd'hui. Ça dépend qui sera là.
avec Alex où c'est en froid. Jay et Klaus, on a avancé, mais ça suffit pas. On peut toujours retourner voir Anna. Et là, la façon dont ça se présente, Théa fait voir Carmi. Il y aura Albert, c'est intéressant. PV Max avec Dani. Klaus. Petit déjeuner, je sais pas ce que ça peut apporter. Et Kai, ouais. Peut-être intéressant. Taillissement interne, les globules de limon rechargent les AS. Ouais, c'est pas si intéressant que ça. Donc, Travis. Bon, on va essayer de voir juste vite fait. Si y a quelque chose à dire avec Anna. Là, non, et donc là, lui on peut tenter attaque spéciale qui se recharge plus vite. Allez. On voit que le troisième niveau est quand même long. Pas sympa obtenu. Ah, pff, ces journées échelingues autant qu'un reward périmé. Mais quand je pense que je m'étais levé, ils vont piller, je voulais finir. Hein. Il y a eu un gros quoi. Ma soeur Carl est tombée. Ouais, crois-moi, c'est plus de faire un donjon sans assureur. Assieds-toi, ça sera 15 000 fois mieux pour parler. 400 de notoriété. Ok. Pas les habitants, la serveuse avait pas l'air de capter qui j'étais. C'est à cause de l'absence de réseau, ça ne l'intéresse peut-être pas. Ça se trouve, elle faisait sans doute. Ah, ça l'intéresse peut-être pas. Elle est peut-être pas trop branchée stream. Bah, elle n'a pas l'air de si vieille que ça. T'as déjà passé une sale journée. Je passe la pire journée de ma vie. Et ton programme en trois étapes là. Suis ton programme, Kai. T'as pas de plan B? C'était le café, mon plan B, justement, mais manque de poule, ils ont plus d'avocats. Quand je suis de mauvaise humeur, pour les amis, je parle à mes amis, ça fait du bien de fou de vider sur ça avec de temps en temps. Surtout quand ma coloc Carole en profite pour parler d'elle et de ses problèmes. Sauf que mes potes sont quasi tout le temps en mode tough. J'ai pas envie d'être le vilain petit canard, tu vois, le bail. Je crois pas que t'arriveras à me sortir de ma dèche. C'est une quête super dure. Les échecs, ça arrive tout le temps. T'en fais pas trop, d'accord. Désolé. J'aurais bien voulu t'aider, mais bon. Les uns sont plus sensibles que d'autres. Mais ils y peuvent rien. C'est la vie. Je te vois venir, les arbres. Tu dois te dire que je suis un vrai gémeau. Je t'assure que ça va plus loin que ça. Les gens se rendent pas compte, même pendant mes streams. Tu comprends ? Pas être facile de gérer ses soucis quand on doit se donner en spectacle tout le temps. Ça me vient naturellement, mais ouais, j'avoue que c'est parfois un peu dur. Et voilà, j'ai oublié d'allumer la caméra pour filmer cette combo. Alors que j'avais du contenu de qualité supérieure. C'est ta faute, je te signale. Il y a un truc chez toi qui aspire toute mon attention. Ça me rappelle les aspis japonais qui connaissent tes musiques préférées. Ton excuse, ça me dépoussière l'esprit. Cette journée est peut-être pas si claquée au sol. Tout compte fait. Je crois que je vais aller au campus. Mais on remet ça quand tu veux. Les moments qu'on passe ensemble sont toujours Sean Max de chez Sean Max. Sean Max. Ouais, Sean Max. Ok. Bon, voilà, il y a pas mal d'avertissements. 220. Des tentes. Ok, quelques sous, pas grand chose, quelques monstres. Blablabla, dodo. On n'est pas encore à fond en divertissement. Oh, par contre, je suis niveau 9 en défense. Bien ça. Donc, c'est en attaque où ça pue un peu. Je finir par acheter une nouvelle épée. Hein. Mais bon, je voulais.
temps de voir celle, je pouvais récupérer celle de Renault, mais il était pas là. Bonjour, Fräulein. Votre voyage sortait régulièrement en barque sur le lac. Mais ces dernières années, la fréquentation et les tarifs de location ont sacrément augmenté. Alors, où avez-vous décidé d'aller aujourd'hui? Ah bah, on prend dans l'ordre. Voilà, on va retourner à Doberkogel et on va aller à la carrière désaffectée. Est-ce que je l'ai déjà sur la carte ou pas? C'est pas la question. Après, il faut que je cherche une vache. Il y avait un truc avec une vache ici. Je sais pas si j'en vois une vite fait. Alors, ah, il y a un truc là. Ah oui, du coup, on a tous les donjons. Attends, on va parler à Marina. Hey, salut! Comment ça va, Marina? Où sont les autres donjons? Tu sais où je pourrais trouver d'autres donjons? Au total, il y aura 7 donjons dans cette zone. Tu as vaincu le Tatal's Moon, ouais, je t'ai déjà dit que t'étais incroyable. Il y a un donjon tout près du sommet, mais je crois que tu l'as déjà terminé. De l'autre côté de cette barrière, il y a un chemin menant à 2 autres donjons. L'un d'eux est gardé par des monstres coriaces un peu plus loin sur le chemin, mais je crois que tu l'as déjà exploré, non? Et l'autre se trouve un peu plus haut, au milieu d'un lac, mais je suis sûr que tu l'as déjà exploré, ok? Merci pour tes conseils. Il en reste 2 autres, mais j'ignore où ils se trouvent. Génial. Si ça se trouve, ces tentacules buants auront créé de nouveaux chemins permettant de les atteindre. Je travaille au stand de glace dans la soirée. N'hésite pas à passer voir si tu n'as rien d'autre prévu. Ok. Donc, ça correspondrait à ça. On prend le chemin pour grimper. Ouais, ah, il y en a un deuxième là-bas. Ok, bon, bah, on va explorer un petit peu pour chercher ça. Chercher là et si on gérait sur le lac, on va vérifier avec eux. On en est 300. Non, j'ai pas 300 encore. 140, 150 maxi. On va peut-être arriver à un niveau. Alors, s'il me reste encore quelques lieux de détente, mais on va arriver à un niveau où il va falloir. On va peut-être arrêter la partie détente et progresser uniquement sur les donjons. Si c'est la partie recherche. On y accède. Ok. Ça aurait pu mettre un truc là. Bon, ici ce n'est qu'un coffre, ce n'est pas. Ce n'est pas un donjon. Ah, il y a 2 racines là-bas. Bon, bah on essaie là.
Ah, nouveau donjon découvert. Est-ce le bon? Carrière désaffectée. C'est le bon. Ok. Dégâts en série. Oh. On peut y regarder. Talisman. Les dégâts des attaques physiques rebondissent sur un ennemi à proximité. Oh, c'est pas mal ça. Allez, carrière désaffectée. Me voilà. Pile poil le niveau. Alors, je sais pas, faut se rappeler des pouvoirs qu'on a. Pouvoir jongler avec. Meuble. Pas beaucoup de place là. Hein. Il touche. Mais c'est un peu plus loin hein, quand t'as juste le niveau qu'il faut. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Non. J'arrive par où? J'arrive par là. Ah. Ah, pas par là. Je suis un peu loin là.
Ouais, mais là... Ah, je peux pas sauter. Ah, faut que je le fasse absolument là-haut. Ok. Ah oui, mais Ah si, c'est bon comme ça. Aïe. Hein? Il meurt tout seul. Voilà, magnifique. Il s'auto-mutile. Bah c'est bon. C'est un peu compliqué là parce que par contre... Vas-y, non? N'est-ce pas? Ah. Ah. Donc pour l'instant, on va pas forcément être mieux. Mais voilà, on a réussi une nouvelle épée. Donc là, ah, Coco est déjà mieux sans les bonus. Voilà. Je cherche pas. Niveau 8, voilà. Bon bah c'est bon, sans acheter l'épée. J'ai déjà celle pour le niveau suivant. Alors là, on va.
observer un petit peu avant de choisir. Le cube, je vois pas trop où l'amener pour l'instant. Ah, si. Bah. Rien. Ou pas, c'est beau. Et pièce du lieu. Non. Pourquoi elle a fait un gros saut? Elle est con. Bah oui, mais... Comment je fais pour juste descendre? Oh, est-ce que je fais comme ça? Mais c'est minable. C'est nul. Pourquoi elle descend pas toute seule? Oula. C'est bizarre. Ah putain, faut que je répète le bordel. Mais non. Oh bah oui, mais si je fais pas répéter, ça rien. Ah.
Mais non. Mais... t'es... Je suis en train de regarder l'échelle au fond à gauche. Mina. Ok, bah ça marche pas. Plein de boutons. Alors lui, il va lâcher le cube. Voilà, il arrive tranquillement.
Oh là. Aïe. Moi aussi je peux faire ça. Une épée en plus. On a pas amélioré encore. Blouson parasort. Écho. Ouais, bah oui, recharge de l'attaque spéciale. Même si on peut le monter, on peut le booster. Je préfère les bonus de ça. Pim! Carrière désaffectée, ça c'est fait. Il nous en reste deux. Il y en a un qui est encore dans cette zone là. Doberkogel et Kolmstein. Après c'est du 8. Go go go! Allez, une autre soirée. On va voir qui est dispo. On va voir si on a récupéré quelque chose pour améliorer ça. On n'a pas de quoi faire celle-là. Explosion. Quand vous esquivez un combat, vous provoquez une explosion qui renverse les ennemis. Waouh! On renvoie les dégâts. J'en ai déjà un court. On va prendre un autre. Par contre, je vais faire les dégâts aussi. Voilà. Ah, lui, je peux. Dégâts en série. On renvoie les dégâts. Dans un sens, dégâts en série. C'est intéressant. Magique. Dégâts des attaques physiques, on m'en dit. Non. Attends. Défense magique. Et défense physique magique. J'ai deux défenses magiques. 10%, 5%. Retirer. Voilà. Et donc là, on peut mettre des gants en série. On va essayer ça. Alors, au niveau de la carte, il y a toute la bande en bas là. Avec Travis. Lui, il peut nous donner de la magie. Il y a un petit peu de tout si je monte avec cela. On va essayer d'aller voir Anna. De toute façon, il y a l'arme à améliorer. J'hésiterai à voir Théa. Pour tenter de voir Théa. Épée. Voilà. Donc là. Attaque physique. PV à l'élimination. Voilà. Très bien. Et le reste, c'est bon. Merci. Je vais faire ça. Donc là, ça serait
ici. Ça vient avec tout le monde là, mais c'est qui? Et Danny, Travis. Je comprends pas pourquoi tu continues de la défendre. Mais je défends personne, je dis juste que tante Karine n'est peut-être pas responsable de tout ça. Je lui laisse le bénéfice du doute, tu comprends? Pas étonnant. Pour douter de moi, il y a du monde, mais pour douter de l'ordre établi, il n'y a plus personne. Oh, salut Louisa. J'arrive au même moment? Non, d'ailleurs, si tu te joignais à nous, ce serait peut-être pas plus mal. Rien de tel qu'une soirée avec Théa et David pour en savoir plus sur le village. Ok, parti. Bon Louisa, je compte sur toi pour me soutenir. Ah, d'après toi, qu'est-ce qui se trame à Interville? La mère a dissimulé un donjon. Wagner a caché un donjon pour que personne ne puisse en terminer 25. Je crois que c'est ce qui a provoqué les tremblements de terre. Voilà, et c'est une chasseuse qui le dit. Tu me crois maintenant? Tant Karine sait ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas obligé de lui faire confiance, je peux le comprendre, mais moi j'ai confiance en elle. C'est justement ça le problème, tout est en train de s'effondrer autour de nous et tu as toujours plus confiance en eux qu'en moi. Non, le problème c'est que tu supportes pas que je sois pas d'accord avec toi. Je connais tante Karine, toi, non. Pff, c'est même pas vraiment sa tante. Je sais bien, tout le monde le sait, mais elle a toujours été là depuis que je suis tout gamin. Je vais pas arrêter de l'appeler comme ça juste parce que tu la supportes pas. Zut alors, si seulement ma famille était invitée à toutes ces jolies réceptions là, c'est sûr que je partagerais son avis. Arrête, tu sais bien que tu pourrais m'y accompagner. Mon père le propose à chaque fois. Si tu pouvais te retenir de leur sauter à la gorge rien qu'une fois, je suis sûr qu'il t'aimerait bien. Mais c'est ça que tu comprends pas, qu'il m'aime ou pas, j'en ai rien à carrer. J'ai bien réfléchi, je vais quitter Interpol. Voilà, c'est tout. Toutes ces ordures n'ont qu'à rester entre elles. Ouais. Et David? Et toi, David, t'en penses quoi? T'as raison, tu devrais partir. Hein, quoi? T'es pas heureuse ici. Tu l'as jamais été, c'est évident. Tu devrais partir et chercher un endroit où tu le seras. Tu as besoin de moi. Évidemment, mais pas si tu dois être malheureux. Je refuse de t'infliger ça. David, je n'ai pas besoin de chercher qui. De chercher qui je suis ou quoi faire de ma vie. Papa parle tout le temps de prendre sa retraite. Je vais rester ici et tenir l'auberge sans doute pour le restant de mes jours. Mais contrairement à toi, ça me va parfaitement. Si tu as besoin de partir pour essayer de découvrir qui tu es, alors vas-y. Non, c'est pas à cause de moi. Je viendrai te voir. Combien j'en ai pas aujourd'hui. Ok, ben voilà comment se termine la journée. Alors, ça monte. Divertissement est toujours un peu à la ramasse. Un peu de PV. Quelques sous-sous. Pas mal de déchets. Relique 51. Ah, on aura peut-être les 300 pour la prochaine fois. Ok, rien de nouveau. Et voilà. Bon, on n'a rien appris de particulier au niveau de l'histoire. On a juste avancé au niveau des donjons. C'est toujours ça. Reste deux donjons niveau 7, on a une nouvelle épée qu'on a améliorée, rééquipée, et puis reste à voir pour la suite. Écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao, bye bye, et portez-vous bien.